sortent d'où avec les voitures partout, les maisons. La pension de mon enfant, c'est 1 million. Vous prenez ça où? Elles vont te dire que... Non, je fais la vente en ligne. C'est ça qui me donne l'argent. Aussi, ferme ta bouche, tu vas le piment. Vous n'avez pas constaté qu'au carnet, quand Ingo brise, dès qu'elle se marie, elle ne brise plus. Parce qu'elle avait les sillas couloirs là, là où elle donnait tous les 1 coup, les 2 coups. Maintenant qu'elle est mariée, c'est plus possible. On la bloque partout dans le game. Les petits frères, les influenceurs ont l'argent à cause d'elle. Le gondin a dit que tous les influenceurs vont payer les taxes. Dis-toi qu'elle est comme ça, Yamo la gnasse. On la baille encore pour la gnasse, petit frère. Si moi-même j'étais Ingo, j'allais vendre le piment, c'est pas le quartier. Le voyage, c'est un pouce là dans mon eBay. Elle est bien, s'il te plaît, je veux faire la vidéo avec toi. Je vais te faire mal. Jusqu'à tes yeux vont monter. C'est le lait. Tu travailles la visibilité là avec moi. Comme vous aimez pour la facilité là. Tu sais comment ça a été dur pour avoir la petite audience. C'est si comme je suis combattu pour un free boy comme moi. On n'est pas entré dans les schémas. Moi, je vais seulement vous demander. La provenance de tout l'argent de vos influenceuses camerounaises, c'est l'entreprise qui leur donne les dollars. Elles ont les fans qui les DM et qui ont sauvagement l'argent. Et vous savez que les petits frères qui ont l'argent sont narcissiques. Et créer une influenceuse comme ça, s'il te plaît, tu peux finir. Non, ça te pète d'abord. T'as pas mangé. T'as mis dans sa tête que c'est le pilier. Le matin, vient vous dire, vont t'en dire, mouf. Donc, petit soeur, si tu t'engages dans le monde du showbiz, quand tu bandes pas le rêve, c'est quand tu as vendu assez de piment. Tu as déjà les abonnés que tu commences à investir ton dos du piment. Ce n'est pas que c'est le work et vos grandes sœurs avant qu'ils leur ont donné l'argent. Elles avaient déjà l'argent avant d'investir, c'est le blanchiment. Le fonds de commerce, ça a toujours. Les influenceuses poussent là, il n'y a aucun problème avec votre bordellerie. Mon problème se situe au niveau du mensonge que vous passez à la jeunesse. Vous faites trop obéir, c'est vrai que non, c'est la vente en ligne. Quelle vente en ligne? Vous avez même les clients au jour d'aujourd'hui parce que vous êtes des stars. Vous vendez quoi? C'est les greffes, là, les rouges à lèvres, c'est placer les ongles là qui t'abaille la voiture, qui te fait payer. Salut à tous, comme je vous l'ai promis, c'est désormais mon fils. Tortue Ninja, a.k.a. Stevedo, c'est lui qui répond désormais au mauvais bébé. C'est plus moi qui réponds disons, au mauvais bébé, c'est Tortue Ninja qui répond au mauvais bébé. Donc, mon fils a fait un nouveau freestyle pour répondre au mauvais bébé cette fois. Il s'est appliqué, il a écouté vos critiques et tout. Parce qu'il s'amusait un peu, il voulait voir s'il y aurait du répondant. Il a donc décidé de frapper très très fort. Le freestyle que vous allez écouter, c'est de ouf. Donc je vous invite à écouter ce freestyle où mon fils a décidé de mettre un bim à l'insolent mauvais bébé. Donc on regarde cette vidéo de mon fils qui répond pour moi des ordres. Parce que moi je clash pas avec les enfants hein, au mauvais bébé. Puis... Steph Do, yes, la pépinière montagne. Tortue Ninja, j'arrive dans le game comme une éclair. La musique au Cameroun, ça m'aura jamais d'avenir. C'est moi votre lumière. Ils sont jaloux de moi, je vous enterre. Ne pas aimer mon rap, c'est comme si tu n'aimais pas ta mère. Fils de pute, je vous amène. Veux ou pas, je vais prendre le relais, même par force. LMB, tu as perdu ta langue. Tu es inspiré par ces hommes comme les mangues. Je suis un rappeur rare comme la lumière dans certains quartiers. Je n'ai jamais connu le petit déjeuner. Tous les jours, mon stylo me fait que je n'ai mis la leur. LMB, rappeur prématuré, pareil que si une petite fille qui t'a dépucelé. Ils ont dit qu'ils ne croyaient pas à moi parce que je suis le Jésus-Christ du rap camé. Mon inspiration ne peut pas finir, bon. C'est comme le ciel dans la mer. Marambou, Menga, Fafanou, je te filme comme un fleur de veille tous. Avant c'était le corona et la tour, ça m'a rendu fou. Un petit rappeur veut aussi me donner mon état. Dans ce pays, on va voir tout. Tu marches sur moi, tu glisses, un rappeur qui pisse en roulis avec un petit zizi. Tu me parles de LMB, LMB c'est qui le rap, c'est pas la copie, j'ai pigné sa copine. Si tu veux faire descendre, descends, tu me l'es, envoie la lettre à Dieu. Parce que tu n'es pas né, personne ne peut le faire descendre, même pas tes aïeux. Alors, vous avez écouté le freestyle. Qu'avez-vous pensé de ce freestyle? Vous avez aimé le freestyle? Je suppose que oui. Alors, je suppose que vous avez aimé le freestyle. Alors, donnez une note sur 10 ou sur 20 à mon fils, Tortue Ninja. Vous avez vu, il est très fâché. Hein. Il parle fort cette fois. Il a décidé de mettre votre mauvais bébé au sol, quoi. Donc, désormais, c'est ça. Désormais, c'est lui qui répond au mauvais bébé, c'est lui. C'est entre eux, c'est la même génération. J'ai dit la dernière fois qu'il était même plus jeune que le mauvais bébé. Et en passant, l'ultimatum que j'ai lancé au mauvais bébé est arrivé à expiration. Donc, vous ne direz pas que je n'ai pas prévenu, que je n'ai pas averti. Donc maintenant, si j'intente une action contre le mauvais bébé, vous ne direz pas que je suis méchant. Donc, j'espère qu'il va arrêter parce que je vous assure que si j'entends encore mon nom, dans les histoires, si j'entends encore mon nom dans ces histoires, je vous assure que ça va chauffer.
ça va chauffer. Si j'entends encore mon nom dans ces histoires, non. En tout cas, l'ultimatum, il y a passé. Donc, désormais, s'il y a un moindre dérapage, je vais frapper fort. Je vais frapper très, très, très fort, ça, je vous assure. Je vais être frappé très, très fort. Je ne serai pas du tout complaisant. Je ne serai pas du tout complaisant, donc. L'ultimatum est passé. Désormais, on va passer aux réactions. On va passer des paroles aux actes. Si jamais il y a encore d'autres dérives de ce mauvais bébé insolent. Ok? Voilà. Je pense que j'ai été clair. Voilà. Donc, je pense que j'ai été clair désormais. N'oubliez pas, suggestions, commentaires, abonnement, abonnez-vous au max. Vous n'aurez aucune autre de mes vidéos. Laissez vos suggestions. Proposez-moi des sujets que vous voulez que j'aborde. N'oubliez pas, ma ligne éditoriale, elle est claire pour ceux qui demandent toujours de mêler le vrai du faux dans l'actualité internationale. Donc, pour les sujets que vous ne comprenez pas très bien, que vous voulez que je vous éclaire, que vous voulez que je vous donne des explications, que je creuse pour vous, dites-moi. Et je ferai, parce que je suis votre serviteur. Ici, Edmond Dexter Timberlake. Pour vous servir. Voilà. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez pas, souscrivez à ma formation, vous qui voulez vous lancer dans le digital. Je vous laisse en compagnie de ce spot qui vous explique tout.